يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين وانجعله لو كرياتور دي لينيفير لو ميجوريكورديي بار اسانس اي بار اكسلانس. Que la paix et la bénédiction d'Allah soit sur Mohammed, sur des prophètes, ainsi que sur sa sainte famille. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le saint prophète, alayhi salatu alayhi wa sallam, le 18e jour du mois de Zilhijja, avait levé la main d'Ali ibn Abi Talib très haut, devant tous les compagnons, devant un millier de compagnons, disant à tous ses compagnons, Allah maulay wa ana maula al-mu'minin. Ala man kuntu maulahu fahada aliyum maula. Le saint prophète dit, il dit que Allah est mon maître et je suis le maître de tout croyant. Et pour celui dont je suis maître, Ali aussi en est, ou bien Ali est son maître. Donc, ce qui veut dire que Ali ibn Abi Talib, par le biais de ce hadith du saint prophète, alayhi wa sallam, avec cet acte, il occupe la position ou bien la place du saint prophète alayhi wa sallam après lui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maître, il n'y a pas de maître légitime des musulmans après le saint prophète alayhi wa sallam, plus qu'Ali ibn Abi Talib. Il vient juste après le saint prophète. Et le prophète avait dit que celui qui assistait Ali est assisté par Allah. Celui qui l'aidait est aidé par Allah. Et il dit que partout Ali est, la vérité est aussi. Donc, il nécessitait de le suivre, il nécessitait de se cramponner en lui. Le saint prophète, alayhi wa sallam, avait dit à ses compagnons que lors de ce discours-là, dans la vallée de Al-Ghadir, qu'il laissait simplement deux choses. Que quiconque se cramponnait à ces deux choses-là, ou bien à ces deux trésors, réussirait, entrerait au paradis. Le rejoindrait au bassin paradisiaque, mais que quiconque délaissait ces deux choses, ces deux trésors, périrait. Il dit, Inni tarikum fikum uthaqalayn, ma in tamassaktum bihima, lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa itrati ahla bayti. Il dit, je vous laisse des trésors, que tant que vous vous êtes cramponné à ces deux trésors-là, vous ne serez jamais égaré. Il dit, le premier, c'est le Saint-Coran et le deuxième, c'est ma famille purifiée, les Ahlul Bayt alayhim salam. Et donc, il y a ce qu'on appelle le Al-Ghadir, c'est-à-dire c'est un événement qu'on est en train de fêter chaque année pour se souvenir de ce que le Saint-Prophète alayhi wa sallam avait dit concernant Ali ibn Abi Talib dans cette vallée. Et c'est ce qu'on appelle Al-Ghadir, c'est un point, c'est un pilier très important dans notre religion. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا وليا قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري قد أكمل الدين يوم الغدير حيدر الكرام صار أميري.